Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Farthest Frontier. On attend notre nouvelle petite loge d'arboriculteurs afin de construire davantage, enfin de construire, de planter davantage d'arbres fruitiers puisqu'on a vu qu'il y avait un gros besoin de fruits. Le jeu me fait un petit chargement de la map en entier, un petit freeze de quelques secondes et ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. On est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Pardon, au passage. Voilà, on est bon. On est bon. Alors, le village a bien évolué. On a commencé à construire un petit quartier ici. Et les gens sont super heureux, hein, globalement, franchement. Non, ils sont pas très propres, en revanche. Il faut qu'on augmente la quantité de suif. On produit pas beaucoup de suif. En tout cas, pas assez. Ma petite savonnerie, hein. Bon, ils ont quand même un petit peu, là, du suif. Ouais, ils produisent que 20 savons. Et on n'en a pas en stock. Et on n'a pas de suif en stock. Alors le suif, il vient des animaux, hein. Ce sont des graisses. Faudrait pouvoir avoir plus d'animaux là. Pour pouvoir commencer à en retirer. On est à 7 sur 10. Donc dès qu'on dépassera les 7, pouf! Voilà, on fera de la viande. Et du suif. Bon, les gelées, youpidou. Il y a pas mal de naissances, ça c'est très bien. On a les ressources qu'il faut. On manque de planches, mais c'est pas très grave parce qu'on va bientôt avoir... Hop, on y est presque. La fosse de sillage améliorée. Là, faut s'en débarrasser de ce sanglier, hein. Cabane de cueilleur, cellier. Je me demande si je vais pas. Je vais remettre un chasseur, je pense. Ça refait du suif en plus, donc coûte. Voilà. Alors, ils vendent quoi, Beldar? Les cultures de lin produisent 50% de rendement en plus. Et coucou Lucille, bienvenue à toi dans le chat. Bienvenue dans le zen de Farthest Frontier. J'aime beaucoup les jeux de gestion, c'est toujours un peu agréable. Plantes médicinales, ils les rachètent plutôt cher. On en a 47. Je vais en vendre un petit peu. Manteau en peau, ils les achètent pas cher, donc ça m'intéresse pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils vendent intéressant? Rien dont on a forcément besoin. Oh là, des pierres. Moi qui disais que j'avais bien le côté zen du jeu. Voilà. Mais on est en train d'attaquer les animaux du coup à la place d'attaquer les... Ouais d'accord, ok bon, bah ok. Le sanglier aussi qui passe par là. Déjà là. La tour là, elle peut attaquer. Ils sont nombreux. Je devrais faire plus de... Aïe 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 aïe. Ils ont buté tous mes soldats. Putain, ils ont buté tous mes soldats. Ils vont buter ma chambre forte.
Oh, j'en reviens pas. Ils attaquent plus la chambre forte, d'accord. Celle-là est un peu plus puissante. Tour de garde, ouais, j'aurais dû améliorer celle-ci aussi. Je vois pas trop où ils sont un peu éparpillés. Bon, ma place du commerce. Ok, donc là. Lui, c'est lui qui dit je tricote devant la vidéo. Utilise tes. Utilise tes aiguilles pour attaquer mes pierres. On a perdu beaucoup de villageois là, j'ai l'impression. Donc voilà, les pierres ils rigolent plus quoi. Pendant ce temps, c'est du temps qu'on passe pas évidemment à s'occuper du village. On va quand même réussir à les zigouiller. Ils auraient pu péter la chambre forte. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont changé d'avis en plein milieu. Ou alors ils ont réussi quand même à piller les trucs dedans en fait. Ils sont en train de se barrer, je crois. Ah oui, la palissade, ça n'a pas grand chose comme ça. Hein. De courser. Ouais, j'ai perdu pas mal. Oh là 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 là. Un dernier petit coup là. Ah bah il avait plus beaucoup d'ouvriers, tu m'étonnes. Puis là ils ont même plus d'armes en plus, les pauvres là. Ils ont pas eu le temps d'aller se... chercher des trucs. Il y a un petit côté Benny Hill. Je sais pas jusqu'où on va aller. J'aime bien avoir le dernier là. Hop, le petit là, pouf, faites-le tomber. Quick. Un petit tir là. Un petit coup. Un petit croche-patte. Vas-y, 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 vas-y. Allez. Yes. Je sais pas d'où ils viennent, ceux-là. On peut pas améliorer. Pourquoi tu mets le truc comme ça, là, si on peut pas l'améliorer? Alors... Mince, j'ai pas vendu les autres trucs du coup. Bah oui, c'était le bordel. Hop, je vends. On va vendre un peu d'affaires. Ça va nous refaire des sous. Moi je suis un peu deck quand même. Alors, il est où le compte-rendu de l'attaque, là? Je suis un peu dépité. Huit morts.
Ouais. Un 4, c'est carrément pas assez, hein. Carrément pas assez. Déjà, je pense qu'il faut qu'on améliore les tours. Clairement. Je vais mettre deux soldats en plus déjà. Et la tour, il me faudra plus de planches pour l'améliorer. Je suis deg. Bon, il devrait y avoir plus de planches maintenant. Grâce à la scierie. On va manquer d'ouvriers à fond. Reculer un petit peu en bâtisseur. Voilà. Attention, bois brûlé. Me faites pas la même connerie que la fois dernière avec le bois brûlé, hein. Alors, il est où le débit de bois brûlé? C'est ici, je crois. J'en referai peut-être un. Bon, c'était quand même pas top tout ça. Elle veut acheter des planches chères. Ouais, mais j'ai besoin de planches, chérie. Ah, c'est bien ça. Éclat la lame de Markovien. C'est cher. On verra plus tard. Hein. J'ai tellement besoin de planches un peu partout là. Ok, bon, c'est pas grave, s'il y a des malades pour l'instant, il n'ira pas bosser. Trente poissons perdus. Allez, améliore ça. Ah oui, il faut aller chercher les poissons. Je vais peut-être remettre un fumoir à côté. Ferme-moi ça, là. Ah, tout le monde est guéri, tant mieux. Alors pourquoi t'as pas d'armes? Donc l'armurerie est là. Ça va. Elle peut produire normalement, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Non, c'est pas les cierges. C'est pas la vannerie que je cherche. Voilà. Faudrait que je l'améliore du coup. Il manque juste des planches pour ça. La fabrique d'arc. Ah ouais, ils produisent pas grand chose par année en fait. Ouais.
Ok, donc objectif, faut vraiment que j'améliore la fabrique d'arc. Et maintenant qu'on a plein de bois à nouveau. Alors attends, parce que là ça me pose problème ce chemin là. Ah. Ouais, bon allez. Ok. Voilà. Ok. Bon. Pour les améliorer ensuite, ouais. Ok. Je sais que j'avais dit d'aller tout doux sur le... le bois, tout ça, mais là, franchement, elles m'ont un peu fait peur, là, les pierres. Allez-y pour les planches là que je puisse lancer la construction, l'amélioration de la fabrique d'arc. Allez, 27. Faut pas qu'il y en ait qui partent en attendant pour la construction. Je peux améliorer la tour là. 33, allez, on y est presque. Ah mince, 25, il y en a qui sont partis. C'est pas grave, ça va remonter, ça va remonter. Après, si je stoppe les constructions un moment... Ah, j'ai fini le centre de commerce ici. Quelle affaire quand même. Il faut qu'on double la population pour améliorer notre hôtel de ville maintenant. Comment ça, 32 sur 12 résidences approvisionnées en nourriture, c'est pas énorme. En bois brûlé, il me faudrait un autre atelier de bois brûlé. 54, c'est bon. On va améliorer la fabrique d'arc. On peut améliorer la resserre. Ouais, c'est pas... Est-ce que c'est utile? Je ne suis point certain. De toute façon, c'est trop tard. Le bois est parti. Voilà. Alors, ressources. Voilà, débit de bois à brûler. Du côté de notre industrie.
Je mets dans quel sens pour que ça fasse le plus joli possible? Ou le moins moche possible. Allez, je le mets comme ça. Mince. Je pouvais améliorer, je peux plus. Là, mon chasseur est toujours pas arrivé. Ah, ça me rend triste, oui, là, cette attaque, franchement, c'était une violence incommensurable. Il faut finir la tour, là, quand même. On mettra des tours du coup un peu vers l'extérieur évidemment, hein, quand ils sont coincés à la palissade, voilà. Là faut que je vois jusqu'où je mets ma palissade. Parce que ça fait quand même très grand et très coûteux. Tu vois, j'ai pas besoin de prendre la forêt avec non plus quoi. À la rigueur, je peux m'arrêter aux fermes et genre tout ça là par là. Oh. La grange que je peux améliorer? Ah non, c'est le puits qui est derrière la grange. Mais là, regarde, j'aurais pas de place pour faire passer le mur. Donc je suis un peu coincé en fait. J'ai oublié de le mettre derrière les champs. Ou alors, tac, je coupe jusqu'à la flotte. Tu vois, je coupe ici. Pof. En vrai. Genre un bout de forêt dans mon protégé, quoi. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Ça fait très grand, mais... Après, pour les défendre, putain, je te raconte pas, quoi. Ouais, je suis dans l'interrogation. Oh non, pas de péremption. On perd de la bière. C'est terrible. Manque de bâtisseurs. Oui, je sais, j'ai mis plein de chantiers, mais bon. Le bois a brûlé, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Qu'est-ce que... Ah non, mais... Plus zone de combat, là. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas d'armes aussi. Les pauvres, ils sont mobilisés depuis tout à l'heure. Ils n'ont pas eu le temps d'aller en chercher. Lucille qui dit pas la bière, non. Ils ont amélioré, voilà. Ça c'est mieux. Faire des arbalètes. Pour aller s'armer du coup, voilà. C'est mieux. Et je peux l'améliorer aussi si j'avais assez de briques. Et de planches. Ah non, il faut que je sois à niveau 4. Bah ouais, non, je suis étonné que la pierre, elle se conserve pas, là. De naissance. Ah, il va falloir faire des naissances, là.
T'as pas assez d'attrait, toi. Bon, t'inquiète, quand le théâtre sera construit. Et coucou Alina, bienvenue à toi. Alors. Bon, j'ai plein de bois. Piqûre d'abeilles. En décembre. C'est qu'il l'a cherché, hein. Clairement, on va s'occuper de la défense, hein. Je sais pas combien d'années de jeu ça reprend. On a à quelle année? 27? 27. Au cimetière aussi, construit en l'an 2. Il n'y a pas beaucoup de tombes dans notre cimetière. J'améliore toutes les tours de garde du coup. Des os, pas des os, mais ça me stresse trop maintenant. Ah oui, il y a une argilière ici, c'est chiant. Alors attends. Ouais, est-ce qu'elle prend la place de la maison là? Voilà, mais bon, ok. Mais au moins on pourra la vider petit à petit et la remplacer après par une construction. Là, je mettrai deux maisons. Et du coup... Ouais, là. Et là, je peux en remettre une. Voilà. Ouais, il faut que j'attire des habitants, là. Si je pouvais avoir une vague de migration, ce serait super. C'est que ouais, si je mets les murs, ça va les retenir loin, mais après une fois qu'ils seront rentrés dedans, les murs, ça changera rien quoi. Alors tac, ici touk 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 touk, je protège les champs à la rigueur. Alors je vais détruire le chemin si je veux mettre ma palissade au... Ah non, là ça peut le faire. Ouais. Qu'est-ce qui bloque? Rien. Il
Ouais, ça va, le chemin il passe bien. Ah non, mais moi je suis un petit peu. Hein? Bon. On va améliorer le débit de bois à brûler, hein. Pour pas en manquer, vraiment. On manque toujours de planches, mais c'est parce qu'on utilise beaucoup pour finir le théâtre. On gagne toujours des sous. C'est pas mal parce qu'on a quand même amélioré les tours, tout ça. On a recruté des soldats. D'ailleurs... Je vais en remettre un de plus aussi. Mais au bout d'un moment, il faut quand même regagner des sous. Hein. Je vais en mettre un peu de bâtisseur. Bon, la palissade... ouais, ça avance quand même par-ci par-là, hein. J'ai pas déjà dit d'améliorer. Choléra maintenant, super, choléra cosmique. C'est bien, ça bosse bien. Ah! Jean Maurice est arrivé. Il me faut juste des planches là. Si j'avais 100 planches, ça va être dur, mais bon. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Des outils? Bah non, bah j'ai que dalle. Donc, j'interroge un petit peu ma production d'outils. Épée, j'ai que dalle non plus, mais on a dû tout refaire. Ouais, j'ai plein de miel, écoute. On a un peu de miel. Du bon miel. Hop. Autant que ça serve. Et qu'est-ce que tu vends? Ça je veux. La nourriture se périme 25% plus lentement. Mais je veux à mort. Alors attends. On va vendre tout le miel qu'on peut. On va vendre un petit peu de vêtements aussi. Écoute. Sur la nourriture, c'est juste trop génial. Toi, il te faut quoi pour t'améliorer? Juste de la thune. Voilà, du coup, j'ai plus une thune. On y est presque là. Ça va, il part dans 45 jours. Attention à l'orage. Ça, c'est la boulangerie que j'ai interrompue la fois dernière. J'achète, clairement. Ah, un animal d'élevage est né, super. Forgeron et armurerie. Voilà. La nourriture se périme plus lentement. C'est pas mal.
Ah bah. Qu'est-ce que tu achètes toi d'autre? Des chaussures, des paniers. Savon, on galère toujours. Les cheveux de Saint-Adi, oui, ça c'est pour le lin. Non, bah là on va laisser comme ça, hein, tel quel. En revanche, qu'est-ce que j'avais dit? Que je pouvais améliorer juste avec de la thune? Me fait de la thune quelque part pour améliorer. Ah mais là, il manque de pierre du coup. Pour le poteau. J'hésite. J'ai plus les sous de toute façon. Je sais pas où ils sont passés. Ah oui, tu me diras, l'amélioration des tours coûte tellement cher. Vraiment une fortune. Peut-être couper là, hein, la palissade en fait. Ce sera le plus simple. En revanche, il leur faut un accès à la forêt. Voilà. Ah, je voyais pas que ça coûtait aussi cher les améliorations de tours. La blinde de rocher en plus. Pas mal de gens qui achèvent leurs études, c'est bien. Pourquoi j'ai pas encore l'apothicaire? Ah, il faut avoir l'hôpital. Un peu ce que je vais débloquer, mais j'ai l'impression que j'ai. Ah, si, tu. Là, j'ai des. Ah, ouais, les mines de fond. Indéfiniment? Waouh. Si je pouvais trouver une mine d'or. Vous imaginez si on trouvait une mine d'or? Ce serait quand même beaucoup plus simple. Bon là, on retrouve du sable. Ce qui est plutôt bien parce qu'on n'en avait pas du tout trouvé. Des naissances. J'ai pas mal de naissances quand même. Attention, il y a des sangliers dans le coin.
J'allais plus dans le fond des choses quand même pour explorer. Que de rester en bordure. Il doit y avoir de la flotte ici, j'arrive pas à avancer plus. Un enfant a grandi, pas très bien. On va voir si on trouve des ressources intéressantes. Bah déjà quand on aura exploré tout ça, hein, ça va agrandir sacrément notre horizon. La fièvre typhoïde. Un ours. Ah oui, 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 oui. Oh, trop bien. Trop bien. Ah, attends 2 secondes. /248. On est quand même ric-rac. Toujours pas fini ce théâtre. Ok. Donc là, attends. Ouvrier, on est bon. Et du coup, je peux augmenter le nombre de bâtisseurs. Voilà. Bon, ouvrier, on va attendre. On va être un petit peu patient. 22, c'est déjà pas mal. Écoute. Allez. Je transige. Trois nouvelles maisons. Oui, non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Ah, il est dans la maison, dans la ville plutôt. Mais ils arrivent pas à leur tirer dessus. Ah, voilà, ils bougent plus, c'est mieux. Voilà. Ah oui, là, il est pas content. Il va le ramener en ville aussi, du coup. Non, c'est bien, on va bien progresser là avec les nouveaux arrivants. Purée, là, toujours pas le chasseur. Ni la loge d'arboriculteur d'ailleurs. Manque des planches, c'est-à-dire. Tout le monde se fait courser. Ouais, c'est toujours le cas hein, quand on va explorer de toute façon. T'es sérieux, fuyez. Ah merdoum. Il est en train de piller le gîte. Oh bah c'est bon, il va...
Bon, ça nique un peu la prod, hein. Enfin. Carrément, à travers le guet, quoi. Oh, bien! Ah, ça fait trop moche, c'est relié aux barrières à côté. Ah, c'est hideux. Mince. Oh non. La cueilleuse. Des os. Attends, ça c'est dégueulasse. Ben... En même temps, là, c'est plus très utile. C'était pour empêcher les animaux sauvages, mais là, de toute façon, il n'y en a plus, donc... Enfin, ils peuvent plus rentrer. Vu qu'il y a la palissade. Non. Mais ça dit, en termes de construction... C'est rapide. Alors attends. Je vais déjà finir ça. On voit rien. Voilà. Et donc là, en plein milieu... Le portail... Logiquement, il sera bien placé. Ok. Ok, bon, on est bien là. Tu vas jusqu'où? Tu vas jusque là. La dysenterie, attaque de prédateur, oui, bon, rien de plus classique. On va le finir ce mur, hein. On va le finir ce théâtre. 252, on est encore à ric-rac hein, en termes d'habitation. Bon, là, ils n'ont pas encore fini ici, c'est normal. Voilà.
Ça va être mignon, hein. Ok, donc là, avec toutes ces maisons-là. On devrait avoir suffisamment d'habitation. Là, je sais pas encore ce que je vais mettre, donc pour l'instant, je vais laisser vide. Et j'aurai encore pile poil la place pour un gîte là. Peut-être le mettre maintenant, tiens. Ce sera fait. Et un petit chemin qui passe. Ah, j'ai bien calculé quand même. Et déjà l'hiver de la deuxième année de cet épisode. Ah, on a bien avancé. Bon, l'attaque de pierre m'a fait un petit peu peur au début. Il faudra qu'on remette des tours un petit peu près de chaque palissade. Même si ça coûte, on en a besoin. Voilà, c'est bien, il y en a déjà une ici. Ouais, celle-là, c'est pas mal. Elle peut même tirer jusque là, donc... Une ici, sur l'accès sud. On va essayer de les améliorer trop vite, hein. Parce qu'après, elle coûte vraiment cher. Ouais, c'est pas mal. Non, la tour. Ouais, faut que j'en remette une ici. Ah tiens, il y a de la place pile poil là. Des vers, Berk. Après, il nous faudra beaucoup de pierres pour améliorer toutes les palissades. On aura déjà une première ligne de défense. Bah ouais, on manque de suif. Ça va venir, ça va venir. 9 sur 10. Ah oui, alors attends, justement, le chasseur, là. Attention, on perd des sous. Ah, puis quand le théâtre va arriver... Il est arrivé, c'est pour ça qu'on perd des sous. Bon, ça va améliorer l'attrait, quand même, autour. Ah, pas assez, tiens. Il nous faut un peu plus d'attrait là pour qu'au moins qu'on soit à l'équilibre quoi. Bon, moins un tu me diras ça va, c'est pas. Mais ouais, avec toutes les constructions qu'on est en train de faire sur les tours et tout, faut faire gaffe. Là faut y aller enfin. Les enfants. Nos fruits. Nourriture. Les protes, on est bon. Céréales. Légumes, ça va. Fruits, bah écoute.
Forcément, s'il y a une hausse de la production, il va y avoir une hausse de la consommation. Je vais construire ça, ça me permet d'améliorer un petit peu l'attrait dans le coin. Quitte à retirer, voilà, j'en retirerai un. Il ira bosser là-bas. Bon, la palissade, ouais. On se sera un peu activé là et franchement, je suis pas mécontent. Ah bah j'ai biglé sur... J'ai complètement biglé sur le truc là. Voilà. Là c'est parfait, ils ont leur petit accès à la forêt. Ah ouais, puis ils replantent tout là. Depuis le centre. Ah mais on voit bien. Pourquoi il y a des barrières là? C'est moi qui construis ça? Étrange. Je vais peut-être agrandir en fait le champ. Je pense que je voulais, ouais, peut-être que je voulais agrandir là. Bah écoute, ce sera pas prévu. Hein. C'est pareil qu'il y a des arbres qui poussent là. Donc surtout pas coller parce que ça va être moche. Ah purée, c'est impeccable, ça y est. On a au moins le projet qui fait tout le tour, il n'y a plus qu'à construire, mais ça y est. Faut quand même plus de maisons. Là, faut les finir, les loulous. Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode. La ville a bien progressé. 200, presque 250 habitants. Hein. Je rappelle qu'il en faut 400 pour améliorer. Plus toutes les... Ah, grande maison, on y est presque. Il restera juste... Ah bah, on y est. En fait, à l'instant, il faudra juste améliorer, hop, le comptoir de commerce. Ça nous faut beaucoup d'or et juste des planches. Donc ça devrait être possible petit à petit. L'or, il faut juste qu'on remonte parce que là, on dépense beaucoup, effectivement, avec toutes les nouvelles tours, machin, bidule, truc. Plus le théâtre qui nous coûte la peau du ouin-ouin. Mais avec les échanges commerciaux, ça devrait le faire. On va croiser les doigts. Parce que là, on a vraiment... plus grand chose et j'ai plus un en stock ici j'imagine. Bah non. On verra ce qu'on pourra vendre au prochain marchand. Sinon, le théâtre et le temple, ça va galérer. Bien, et bah écoutez, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Bah pourquoi t'es mécontent toi? Enfin. Ça devient très mignon. Ah non, hein. On arrête.
vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt à l'Utopia. Et ma foi, on aura peut-être fini la palissade la fois prochaine. Ce sera mieux hein, pour les attaques. Vaut mieux être blindé. Allez, ciao.